tous, c'est Vincent le Paysan, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve sur Champ de France V3 pour une petite vidéo suite du live de dimanche qu'on a fait du trèfle, qu'on a robiné pour faire du trèfle fermenté. Donc on l'emmène au biogaz parce que c'est le plus cher. Donc vous verrez les vidéos d'après. Donc le nouveau matériel que j'ai acheté, bah, le voilà. Il est ici. Le petit fendt, le Manitou fendt avec la fourche Robert Autoload. Comme ça, il fera les usines, mais il fera pas la ferme. Donc voilà, donc il y a tout ça à remplir. Donc vous allez voir la fertilisation du champ et le rapatriement des bottes ici. Les bottes, je les avais stockées dans la ferme des chevaux pour que je puisse fertiliser le champ et que ça continue. Donc, je vous remercie pour vos commentaires, les petits pouces bleus et nous vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et pensez à activer la petite cloche pour savoir les suites des aventures. Donc, voilà. On va commencer un peu avec vous, puis après, vous allez voir les vidéos. On va aller charger le BGA, comme ça va nous faire des sous. Ah, j'ai toujours bien aimé ce petit télescopique. Ouais, tous se sont bien. Mais c'est vrai que celui-là de Monsieur Eddy est splendide. C'est pour ça que je vais le garder en ferme, qu'on l'utilisera. Donc il a fallu que je fasse un crédit de 70 000 pour l'avoir. Comme j'ai pas les sous, bah voilà, j'ai été voir le banquier. Donc une petite dédicace à Météo. Il se reconnaîtra. Voilà. Donc on se retrouve, chers amis, après la petite vidéo. En avance rapide. Donc à tout de suite, j'aurai peut-être fini de charger les bottes. À tout de suite les amis.
Alors, les amis, donc j'espère que ça vous a plu. Donc maintenant. Mais bon. Mais j'ai vu que la production à la série ça avance. Faut que j'aille transférer les palettes les planches de palettes pour faire des palettes. Donc il va falloir que je ramène les télescopiques ici, que j'achète une petite barre. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous on va rentrer à la ferme et puis regardez, bah, vous n'avez plus de place pour les palettes, planches de palettes à l'endroit suivant de la série. Alors je sais pas si on peut les prendre avec la remorque. Remarque, on pourrait essayer mais. Comme je passe à côté, on pourrait y aller, mais ça m'étonnerait qu'on peut les se mettre à côté puis charger de la remorque comme ça. Je sais que le camion, j'ai une remorque qui les prend. Un petit fail, voilà, c'est d'arriver trop vite, et puis voilà. On va y essayer, ça coûte rien d'essayer. On va se mettre à côté comme ça, hop. On verra tout de suite si ça marche. On va changer. Et... Alors, U c'est pour activer. Oh, les balles rondes, rondes. Mission, non. Ça c'est le coton. Edgebox, ça marche pas. Ah bah voilà, ça fonctionne. Il faudra pas que je mette les fourrières quoi en fait. C'est vrai que ça prend dans le. C'est un peu dommage qu'ils les prennent aussi aussi près. Mais bon, ça les emmène quand même, je pensais même pas. Donc vous voyez, pour les emmener ici. J'essaie de rentrer avec le tracteur.
On va appuyer sur U avec les décharger. Attends, non, on va arrêter U. Je vais mettre en place comme ça, ça va peut-être les prendre automatiquement. Ouais, comme ça éviterait que j'aille les soulever. Alors, U. Et je sais pas si ça les prend, on verra, on va attendre un petit peu. Y. Attends, faut décharger P. Voilà. Y. Voilà, non, axe de décharge automatique, va falloir que j'aille l'élever. Je vais enlever le tracteur d'ici. On va le... Mais je pense à la place ça a dû prendre le... Mettre un télescopique ici, aussi on marque un télescopique où on pourrait tout faire que le petit Manitou Clark. Ça je prenais le petit Manitou Clark, mais le problème c'est qu'on pourra pas tout faire. C'est bien pour emmener les palettes et machin. Donc ouais, voilà. Oh, la petite réserve, la staco au fond. Et après ça fait les palettes, comme ça on pourra déjà emmener quelques palettes. Ah, tu vois, j'en ai pris une aujourd'hui, je pensais pas que... Mais ce qui est dommage c'est que... Faudrait s'enfourrir le plateau. Et puis voilà. Donc on va l'emmener au nettoyage, et puis... on se retrouvera pour de nouvelles aventures. Ah mais non, on va passer la nuit. Comme ça, on sera directement à la somme qu'on touche du BGA. Et à mon avis, on pourra rembourser le prêt que j'ai emprunté pour acheter le Manitou. Il va falloir que j'aille aussi acheter des sacs pour les semences pour pouvoir stocker ou nettoyer ça. Bon, attendez, on n'a pas fermé la porte. Et comme j'ai. Voilà. Hop là. Donc voilà, on va avancer en 2000 comme ça, on passe la nuit. La culture, je m'inquiète pas. Ah bah voilà, un peu de place pour les palettes. Alors combien on va toucher du BGA? 77 000 euros. On remonte à, comme ça, à 7 000, à 117 000 euros. On va les garder. On va même passer la nuit. Comme ça, le live on recommencera de nuit. Ah, de jour. Va falloir que je pense à acheter un godet. Hop là, voilà. Donc sur ce, la vidéo se termine. Je vous dis à bientôt et merci. Pensez à vous abonner au petit pouce bleu. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!